Vas-y. Oui. Tu m'entends? Arrange ma peau. Ok. Je m'appelle Kaoli Vast. J'ai 18 ans, pour ça. La jeunesse, la fougue, mais aussi une incroyable maturité, c'est ce qui caractérise Kaoli Vast, qui aura 18 ans au mois de février. Le surfeur de Vairao qui a réalisé une incroyable année 2019 avec notamment une victoire au trial de la Tahiti Pro. Voilà, j'avais mes stratégies de compète, mais il fallait que je m'amuse. Et voilà, je me suis amusé jusqu'en finale. J'ai réussi à aller en finale, du coup j'ai gagné. C'était un pur moment de bonheur, une de mes meilleures victoires. Le jeune homme de la presqu'île garde pourtant les pieds sur terre et vise le bac à la fin de l'année scolaire. Je suis sorti à 25. Voilà, c'est j'ai marché. Ils t'ont donné quand même des choses. T'as prévenu que tu repartais demain? J'ai vraiment eu un bon établissement qui quand même a réussi à trouver le temps et les moyens de m'envoyer les cours. Quand il y a des moments off où la compète n'est pas on, et ben, c'est là que je me mets un moment à travailler dans la journée et là je bosse. Mais c'est dur. Pas facile de jongler donc pour Kaoli entre voyage, entraînement, compétition et scolarité. Mais c'est le rythme exigé pour le plus haut niveau. Il faut gérer ses voyages, il faut gérer le logement, les sponsors. C'est un grand monde aussi où il faut apprendre à se gérer tout seul. Couvé par sa famille, l'espoir du surf polynésien est sur la bonne vague. Déjà double champion d'Europe junior, il disputera en 2020 sa dernière année en jeune avant de se consacrer à 100% au WQS. Mon objectif cette année, c'est avoir un minimum de points de 7000 points. C'est pour que je puisse faire me qualifier pour la Triple Crown en fin d'année.